Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste et faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Je vais essayer de le faire court, parce que une couple de fois je le fais, puis je m'écarte un peu. Là. Hier, j'ai fait du Chronique Oubliée Mini Fantasy à la bibliothèque. Oui, c'était la première fois depuis un bon bout que je faisais de quoi à la bibliothèque. Donc, une tablée très enthousiaste, là, une gang qui était très contente d'être là, composée de trois habitués, dont ma fille, trois semi-habitués, puis une nouvelle qui avait sa première fois qu'elle essayait ça. Donc, ouais, ben c'est ça. Là, écoute, j'ai fait une aventure, ça venait du One Page Dungeon Contest, la QV 2022. Mesrax Foundry. Je trouvais ça bien intéressant. C'est une histoire bien straight. Là. Les nains ils sont plus là. Il y a un culte à la place. Ils veulent faire venir un dieu. Il y a une petite map, une description. Je pense que ce qui bonifiait, ce qui a arrêté mon choix sur celle-là, c'est que chacune des descriptions venait avec une petite image créée par Midjourney. C'était quand même joli. Mais c'est ça qui arrive, c'est que ça permettait de mettre vraiment une photo sur l'endroit où vous étiez. Chacune des places de la map avait sa petite image comme pour accompagner. Fait que j'ai comme fait imprimer ces petites images-là, puis à toutes les fois qu'ils visitaient une plage, je leur donnais l'image. Fait que ça, je trouve que ça bonifiait beaucoup. Écoute, ce qui s'est bien passé dans le game, je pense que tout le monde a eu du fun. Je pense qu'on a ri, on a fait des exploits, il y a eu des conneries, il y a des affaires qui ont réussi. La nouvelle joueuse participait bien. Écoute, et ça, j'avais certaines craintes face à l'attitude de certains autres joueurs qui sont un peu, pas, des fois, pas du monde quand ça leur pogne. Mais tu sais, sinon, non, elle a bien aimé ça. Contre femme, quand j'ai oublié Mini Fantasy, c'est magique. Tu crées un personnage, ça prend 2 minutes, je te jure. 2 minutes, c'est parce que t'as perdu ton temps. Je te jure que c'est vraiment rapide. Puis ça part, puis c'est ça, puis tu fais tes trucs. Oui, fait que, tu sais, le monde sont sortis de la game content. La plupart sont inscrits pour la prochaine. Donc, voilà. Fait que là, jusque-là, c'est gagné. Les points un peu négatifs, ben écoute, il y en a certains qui sont plus durs, des comportements plus durs autour de la table. Faut que j'ose plus la police. Il y en a un, faut que je check. Il a tendance à tricher sur sa feuille. À genre, jette le chef ne fait pas son affaire. Là. Fait, ils veulent tricher, mais moi j'ai des yeux de lynx, puis je te jure, j'ai fait subir les conséquences. Non, non, t'as roulé un 3. Mais non, j'ai roulé un 18, garde! T'as roulé un 3. Il t'arrive ceci. Ah, il fait la baboune. Il fait la baboune. Oh, je le sais, je brise des petits cœurs, moi. Moi, je suis pas un meneur de jeu bienveillant. Ça, c'est une de mes vidéos qui s'en vient, ça. C'est du quoi? Ça fait des années qu'il fait des jeux drôles avec moi, fait que garde. Si vraiment, je l'aurais écœuré à ce point-là, ça fait longtemps que je le verrais plus. Mais non, il est encore là. C'est ça. Il y en a un autre aussi. Tu sais, il écoutait pas. Il se pensait dans Minecraft. Il proposait des bouts dans Minecraft, tu sais. Je disais, OK, ben, ça marche pas. Parce que, c'est ça, c'est pas dans Minecraft, t'sais. C'est ça. Voilà, j'ai tiré le tapis du dessous des pieds. Et oui, François, le nom bienveillant. En disant, ben non, c'est un jeu de rôle. Tu sais, ici, ça, ce que tu essaies de faire, ça marche pas. Pense à autre chose. Tu sais, c'est ça. Tu sais, puis je mangeais une poule, tu sais, c'est ça, là. Il y en a un autre aussi, il chialait, tu sais, il voulait, tu sais, il dit, pourquoi qu'on n'a pas tous les pouvoirs, pourquoi, j'ai dit, écoute, si tu veux jouer le jeu sans rouler de dés puis tout réussir, il m'a dit oui en pleine face. C'est-tu qu'est-ce que j'ai dit en pleine face? François Lenon, bienveillant, j'ai hâte de faire cette vidéo-là, a dit, ben écoute, c'est ça que tu veux, tu peux aller chez vous, écrire le roman de l'histoire de ton bonhomme. Et ici, quand tu viens, il y a des dés, hein, on va les rouler, puis les dés vont décider. Mais sauf si tu veux pas que les dés viennent déranger ton plan de perfection, va écrire ton roman. Je me suis tellement pas gêné de dire ça. Il revient la prochaine fois. Hey, c'est ça qui arrive, là. C'est ça qui arrive, là. Je pense que... Je reviens à quelque chose que j'ai dit récemment. T'sais, je pense que le jeu de rôle est là pour t'offrir une expérience... une certaine expérience que tu verras pas dans d'autres types de hobbies de geek, ok? Tu sais, c'est ça, le hasard vient changer les choses, tu sais, faut que tu réfléchisses un peu, tu sais, il y a pas de victoire automatique, tu sais, il y a pas, tu sais, c'est ça. Puis hier, écoute, j'ai ressorti mon chapeau de meneur de jeu que laisse pas de chance. Non. Alors, je dis pas que je compte les joueurs. Non, non, en fait,
je suis pour eux. En fait, je suis tellement pour les joueurs que je leur rends service en les mettant les bâtons des roues. Écoute, à un moment donné, le groupe s'est séparé. Je leur ai dit, assumez votre choix. T'sais, vous savez comment ce que c'est, surtout que les plus habitués, ils ont déjà joué. Ils savent c'est quoi séparer le groupe. Ça veut dire qu'il y a une gang qui joue, l'autre qui joue pas. C'est ça. Fait que là, ceux qui jouent pas, tout parmi les habitués, il y en a qui étaient impatients. C'est quand est-ce notre tour? Surtout, hey, eux autres, ça c'est drôle. Ça, c'est quand. Ça, c'est le phénomène qui arrive. T'sais, le groupe se sépare. OK. Il arrive une affaire à droite, il arrive une affaire à gauche. Et là, soudainement, un des groupes impliqués. Il se passe de quoi de bien intéressant. Là, la gang qui s'est séparée de l'autre, là, ça demande qu'est-ce qu'ils font ailleurs. Je dis, ben, assumez votre choix, c'est vous autres. Allez perdre vos points de vue ailleurs. fait que là, les autres, ils font tout, là, ils essaient de m'interrompre pour dire, non, mais là, je m'en vais les rejoindre. Non, t'as pas rejoint, t'es comme à 5 minutes de marche de là. Je vais courir! Non, hey, premièrement, c'est pas ta scène, c'est leur scène. Fait que là, je donne une scène d'une qualité supérieure à ceux qui le méritent, qui sont en tout cas dans un des groupes, puis de voir les autres en baver de plaisir. Mais voilà, tu sais, t'as vu, je n'ai pas de séparer. C'est ça. Ah, mais c'est ça, tu sais, ça, je trouve ça très drôle, là, tu sais, les séparations de groupes. Je leur dis, écoute, ça, c'est une phrase, j'ai deux phrases, j'ai répété beaucoup hier. Assumez vos choix, surtout au niveau de la séparation de groupes. Et l'autre affaire que j'ai dit souvent, c'est, écoute, si t'aurais été attentif, tu aurais... OK, c'est ça qui arrive. Il y avait le manque d'attention, on était au rendez-vous hier. Mais c'est ça, écoute, j'ai quasiment le goût de changer certaines affaires, certains paramètres. Genre, pas juste là. Tu sais, quand ils ont besoin d'un dé, ça vient d'en arrière de l'écran. Parce que là, ça gosse avec les dés tout le temps. C'est ça. Vous savez, ceux qui jouent avec des jeunes le savent. Bon, c'est ça. Puis sinon, c'est ça. Il a failli y avoir un mort hier. Quelqu'un qui a foncé dans le tas contre les personnages les plus faibles les ennemis les plus faibles du jeu. Ils ont fait un coup critique dans la face d'un des joueurs. Il est tombé à 0 point de vie. Il a fait son dead save. Il a failli mourir parce que moi, mes dead save, là, faut voir, je vous explique que je vous fais, j'avais prévu de vous expliquer ça un moment donné, mais la façon dont je fonctionne, écoute, c'est juste comme une étape de plus gentil à de zéro t'es mort, t'sais. Il y a la version zéro t'es mort, puis moi, je suis comme juste un peu plus gentil. OK, fait que c'est ça. Fait que, il a eu chaud! Il a failli perdre son personnage! Écoute, fait des couples de games qu'il a, là, il était rendu 5e niveau, là, ça, il tentait pas, ouais, mais il a foncé dans le tas. Voilà, puis moi, j'open roll tout. Fait que, 20 naturel. J'ai roulé dommage, max damage. Ah! Eh oui, que veux-tu? Ça fait partie du jeu! Ça fait partie du danger! Eh oui! Un personnage d'importance nulle a failli tuer ton personnage. Pense-y avant de foncer dans n'importe qui. Voilà. Fait que... Mais il revient la prochaine fois. C'est ça que je vous dis. Moi, je ne ménage pas mes joueurs. Ils ont des chances. Ils ont des outils. Quand ils oublient les points de chance, tout ça. Tu sais, je mets des difficultés raisonnables. Tu sais, OK, puis c'est ça. Puis ils vont s'entraider. Ils ont compris qu'en s'entraidant, ça aide. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense qu'en fait, c'est ça que je dis, là. Je veux dire, ma façon de jouer, je suis convaincu que ça leur rend service. C'est ça, tu sais, je vais en faire une vidéo sur la bienveillance, mais il y a beaucoup de conseils de meneurs de jeu, tu sais, comme faut pas que tu fasses de la peine à tes joueurs, quasiment, là, tu sais. Puis, tu sais, je vais faire une comparaison, je l'ai fait, là, ça, je vais essayer de m'en rappeler, mais que je suis plus fâché que ça, là, mais tu sais, c'est comme si tu introduisais quelqu'un à jouer au soccer, tu sais. Puis que dans son premier vrai match, il n'y a pas de gardien de but. Le foot, pour ceux qui étaient en Europe, c'est ça. T'imagines-tu que ça enlève le petit côté frustration qu'il faut que tu apprennes? Le gardien de but, il a arrêté ton ballon s'il fait bien sa job. Ou tu vas vivre une victoire réelle parce que le gardien de but n'a pas arrêté ton ballon. Ben c'est ça, je trouve que tu sais, des fois de vouloir donner trop de chance aux joueurs, c'est comme jouer au soccer sans gardien de but. À un moment donné, faut que tu apprennes. C'est ça. En tout cas, c'est ça que j'avais à vous raconter pour le bilan. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.